T'es prête? Carrément. Wow, c'est pour de vrai? Pour de vrai. Wow! Attends, les soldats vont voir la lumière dans le centre commercial, non? Non, la lumière extérieure marche pas. Comment tu le sais? C'est cette luciole, Mélanie, qui m'en a parlé. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de The Last of Us, toujours en compagnie de Riley. Et donc, c'est bien le troisième épisode, l'avant-dernier. Et donc là, on va s'apprêter à prendre quelques petites photos souvenirs. Je vais feuilleter les environs. Oh, comment ça marche? Il doit suffire de suivre les instructions, il me semble. Tu veux que je le fasse? Non. Tu sais quoi? Fais-toi plaisir. Et c'est parti! Ouh! Peut-être... amour. T'essaies de me draguer. Dans tes rêves. Ça sera amour. Oh, ok, souris. On fait l'ange. Ok, on fait très peur. Dépêche, dépêche. Oh, oh, on fait une grimace, ok. Face de raie, face de raie. Ok, on va faire une grimace. Ok. Allez, on est sexy. Trop sexy. Oh, c'est fini. Ah. Ok. Oh, elles sont géniales. C'est quoi Facebook? Genre, ça imprime ta tête dans un lit? Je sais pas si je mets oui à quoi. Entrée nom d'utilisateur. J'écris quoi? Bah, mais n'importe quoi. Tape ton nom, un truc du genre. Ok. Et c'est parti. Non, ça marche pas. Ah, ça partage. Ah bon? Aucune connexion internet. Et ça veut dire? On imprime. Je rêve, ça va vraiment marcher, j'hallucine. C'est clair. Fais réessayer. Ok. Oh non. Oh, fais chier, ça me saoule. Peut-être quand... Bon, dessus. On a pété le truc. Oh, oh non. Qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'on l'a cassé. Oui, c'est possible. Donc... On reprend les recherches? Carrément. Attention, la garde de 6h commence dans 10 minutes. Tous les citoyens doivent prendre leur poste. Je hais cette pauvre fille. Elle insiste pour se faire détester ou quoi? Carrément. Moi, je suis pas comme ça. Attention, la garde de 6 heures commence dans 10 minutes. Ok, à mon tour, à mon tour. Tout citoyen doit être muni en permanence d'une pièce d'identité valide. Dénoncez tout individu suspect à l'administrateur de zone le plus proche. Vigilance. Agissez pour sauver des vies. Ouais, ce serait carrément mieux. Je peux choisir un cheval? Non. Non, bon, bon, ok, ce sera celui-là. Ok. Ouais. Il vient d'accrocher. Qu'est-ce qu'on fait là? Riley, viens là. Non, tu t'en sors très bien. C'est pas croyable, c'est trop mortel. Ah ouais. Allez, viens, viens là, monte sur celui-là. Allez, j'arrive, attends. Bon sang. Non, 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 non. Oh non. Allez, je viens de monter. Ah!
J'ai adoré. Et j'assume. Oh, j'ai trouvé autre chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un cercle pourrait bien dire à un triangle? Qu'est-ce que c'est? Tu tournes pas rond. Putain, t'as trouvé un livre de blagues! Sais-tu quel est le plat préféré des cannibales? Le croque-monsieur. Les croque-monsieur! Tiens, je te le donne. Je vais spammer de blagues, hein. Mais avec ça, on redevient amis pour la vie, tu sais. Je dis ça comme ça. Je prends le risque. Je dis ça comme ça. Ok, t'es prête? J'écoute. Quand deux cacahuètes s'en vont au resto, la note est salée. Ah non. Je me marre. C'est pas drôle. Un œuf dur, c'est bien galère à battre le matin. C'est très drôle. Si, c'est drôle. J'aime bien, c'est ça. J'ai commencé un livre sur l'apesanteur et c'est impossible de le reposer. Ouais. Ouais, celle-là, elle déchire. Qu'est-ce qui rapproche un facteur et un jongleur? Ils ont tous les deux énormément d'adresses. Oh, oh. C'est deux pétards mouillés qui se croisent. Et toi alors, ça boume? C'est vraiment stupide. Je sais plus comment lancer un boomerang, mais ça va me revenir. Ouais. Ah. Le comble de l'horloger, c'est de craindre les aiguilles. Oh, t'as vu? Ouais. Les aiguilles, ouais. Les horloges. J'en connaissais une bonne sur les amnésiques, mais je m'en souviens plus. Classique. Quand les plombs ont fini par sauter, il les a toutes fait fondre. C'est une petite pomme qui a grand-peur de mûrir. Ah, c'est sympa. C'est trop mignon. L'ambiance autour de la chaise était très électrique. Glauque. Quelle est la lettre préférée des pirates? Ah, je la connais. Non, c'est bien l'eau. Oh, comme la mer, l'eau de la mer, l'océan. C'est la mienne pour l'instant. Ouais, trop drôle. Un petit steak cherche son copain dans la forêt. Il l'a pas trouvé, il s'était caché. J'avoue, celle-ci a été drôle. J'ai tendance à tendancer. C'est trop. J'ai bien le sentiment que c'était écrit pour moi. C'est ça la blague? C'est plus qu'un jeu de mots, c'est un vrai proverbe. Tendance. Ouais. À la une de ce matin, un ophtalmo trouve la mort. Les détails sont flous. Ah oui. C'est mignon. Waouh, j'adore ce bouquin. C'est un vieux magicien qui se fait poser un lapin. Ah, oh, ok. Oh, c'est pathétique. Ouais, nul. Okay. On en fait une dernière. Le cannibale lui dit qu'elle est à croquer. Ah, oh, quel génie! Elle est à croquer. Alors, il va la manger. C'est pas drôle. Allez, ça suffit. Je mets ça de côté. Note de la cuisine. On y reviendra aux blagues. Jeudi. Quel imbécile je fais. L'autre jour, je suis rentrée plus tôt que prévu et ma patrouille... Cet escalator fonctionne. Viens là. Plutôt que prévu de ma patrouille, et la petite Ellie était assise là, près de ma fichue tante. Elle purait tout en caressant mon cheval. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie avant qu'elle me voie. C'est vrai. Quoi? Qu'est-ce que j'aurais bien pu lui dire? Salut, Winston. Salut, Ellie. Tu peux arrêter de pleurer, s'il te plaît? J'ai horreur de ça. Merci. Ouais, elle aurait vachement apprécié. Elle est toujours de bonne humeur et elle pose des tonnes de questions. Je n'aurais jamais pensé qu'elle pouvait être si triste en réalité. Elle joue bien la comédie. Je suis vraiment un imbécile. Un peu gênant. On y go, on y go, on y go, on y go. Les escaladors. Wow! Regardez-moi! Wow! Hé! Je suppose qu'on va aller au magasin d'arcade. Oh,
putain, c'est dingue! Je te l'avais dit. On peut aller tout au fond. Est-ce que c'est vraiment utile? Allez, on va dire que non. On dirait qu'elle a été fondue dans le jeu. Non, me dis pas qu'il est foutu. Ouais, et bien foutu. L'espace d'une seconde, j'ai cru que j'allais jouer. Tu peux jouer. Comment? Ok, viens là. Ferme les yeux. Fais-le. Ok. Bouge avec ça. Là, coup de poing, là, coup de pied, et contre avec ça. Ok. Mais choisis d'abord ton personnage. Tu vas incarner l'impitoyable, Angel Knives. Très magnifique, Angel Knives. Et je suis censée tout imaginer. Ferme les yeux. Ok, pardon. Elle est tout près du Temple des Ombres, un bâtiment mystique et ancestral où ont lieu les tournois des immortels. Ton adversaire, Black Fang, sort du temple. C'est un gars blanc ultra baraque avec trois bras. Son but, c'est de te faire la peau. La musique part et il se met en position de combat. T'es prête? Vas-y, envoie. Manche 1, go. Début du premier round, Black Fang se précipite sur toi. Il t'envoie un double coup de poing dans la face. Saute! Maintenant, il t'a dépassé. Tu atterris derrière lui. Frappe-le dans le dos. Tu le calmes avec un bon gros coup de coude et il perd genre 15% de santé. Oui, il se retourne et revient avec son attaque de la griffe fatale. Qu'est-ce que je fais? Maintien gauche et contre pour parer. Tu soulèves le coude juste quand il fait son combo. Tu recules, mais t'es pas blessé. Le dernier contre lui fait perdre l'équilibre. Il peut se relever à tout moment. Contre-attaque avec une ascension. Jolie. Il t'a eu un gros point de sortie. Fais haut, bas et pied pour les charges de l'arme. Barre-le. Tu le tiens. Bas, avant, point pour le coup de poussée. Ouais, défonce-le. L'écran s'assombrit. Les larmes d'Angel Knives scintillent. Elle lui transperce la poitrine encore et encore, jusqu'à ce que son cœur jaillisse dans les airs. Elle se met en position et lance un coup de pied qui lui arrache la tête. Un geyser de sang recouvre toute la surface de combat. Oh, cool! Ultra kill dans ta face. Angel Knives lève le poing en l'air. Encore gagné. Yes, tu m'étonnes. Pas mal pour une première fois. Alors? C'était sympa. T'as adoré. Ouais, ok, j'avoue. T'as entendu? Eh, tu sais, on devrait rentrer. Moi, il faut que je rentre. T'as largement le temps. Riley, écoute, j'ai vraiment plus le droit à l'erreur là-bas. Demain, on reprendra là où on s'est arrêté. Je peux pas. Bon. Ben, un autre jour, alors. Ok, la Luciole, alors quand? Ils m'ont demandé de partir. Partir d'où? De Boston. Je dois rejoindre un groupe dans une autre ville. Je leur ai bien dit que je voulais rester ici. Mais tu sais comment est Marlène. Rien n'est simple avec elle. Elle veut me tester. Ils viennent me chercher demain. Ok. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, t'as pas des conseils d'amis? Je suis sérieuse. Pourquoi tu m'as fait venir ici? J'avais envie de te voir. Non, pourquoi tu m'as fait venir ici?
Je sais pas. Je sais pas. Tu veux un conseil? Vas-y. Allez, on n'a qu'à se dire au revoir. Je vais aller voir d'où vient cette musique. Riley! Riley! Fais chier. Mais où elle est passée? Riley! Riley! Bonjour, madame, monsieur. Bonjour à tous. Vous êtes bien sapés, comme on dit. Bonjour. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oula. Colère, colère, hein. T'as déjà vu un truc pareil? La discussion est close? Je sais pas, à ton avis? T'as pas le droit de m'en vouloir, Riley. C'est moi qui dois t'en vouloir. Pourquoi? Parce que je t'ai demandé ton avis? Non mais attends, depuis quand mon avis t'intéresse? On était potes! On était vraiment potes, mais t'as fini par m'envoyer chier, et après ça, t'as disparu! Toute cette journée. Tu te sens coupable? Tu veux te défiler? Vas-y, je te retiens pas. Je suis censée être en planque à l'autre bout de la ville. Si je me fais prendre en tant que Luciole, je suis morte. C'est pas la culpabilité qui m'a fait traverser une ville pleine de soldats, Ellie. Et oui, j'ai fait des choses que j'ignore comment réparer, mais... j'essaie. En parlant de ça... ces fameux pistolets à eau dont tu rêvais. J'ai failli me faire tuer pour les avoir. Surprise. Surprise. Ok. D'abord, je vais te laminer. Et après, on parlera. Prépare-toi à prendre une douche. À nous deux, la luciole. On fait dans sa culotte? Ellie, allez! Nanana. Oh là là, je suis dans la sauce. Ton maman va pas me voir. Oh, tu vas regretter, ma grande. Elle m'a trempée. Bouh. Je t'ai réglé ton compte. Quoi? Tu m'as à peine touchée. T'es trempée. Ok. Compte jusqu'à 5. Je vais me cacher et on doit se trouver. La première qui se fait prendre a perdu. Ça marche. Ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. Go! T'es prête? T'es où, ma belle? Oh, elle est là-bas. Tu crois que t'es discrète ou quoi? Oh, je rêve! Mais quelle pitasse! On joue en trois manches? Toi, va te cacher. 1, 2, 3, 4.
5. Tu vas mourir. On va tricher un peu. Elle est là. Chef. Oh. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Match nul. Le suspense reste entier. C'est bon, t'emballe pas trop. On y vient. Je suis prête, go. 1, 2, 5. Plante-toi bien, je débarque. Eh, j'entends venir. Non, ce n'est pas. Ouf, tu m'as fait peur. Oh, mais zut. Ha. J'ai gagné, ouais. J'ai gagné, ouais. Waouh, tu sais quoi? T'as eu de la chance. De la chance? Ouais. Tu veux remettre ça? Je... Mais oui, mais je... Tu dois y retourner. Il faut que j'y retourne. Ok. Bien. Je peux au moins te raccompagner? Mais oui. Attends, je vais juste chercher mon sac. Et au fait... Je l'ai dit méchamment, mais je le pensais vraiment. Tu devrais y aller. Je veux dire, c'est quelque chose dont tu rêves depuis... Enfin... Depuis toujours, alors... Qui je suis pour t'en empêcher? T'es la seule à le pouvoir. Non, je t'en prie, n'y va pas. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Je vais m'en sortir. Et toi aussi. Et on se reverra bientôt. Tu devrais les garder. Ça me servira pas à grand-chose. Tu trimballes toujours ton baladeur? Ouais. Fais voir. Tiens. Y'a quoi dedans? La cassette que tu m'as donnée. Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi, franchement? La ferme. Laisse ça, suis-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas voir. Sérieuse? Viens par là. Allez, ramène-toi. C'est débile. Allez. I got you, babe. I got you, babe. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Qu'est-ce que t'as? T'en vas pas. I got you, babe. Un truc. Mais je crois que Marlène va pas trop apprécier. Attends.